De préparer la purée là. Hop là. Tu as les pommes de terre. Ça fume encore. Hein. Là, je vais chauffer le lait pour l'ajouter. Là, j'ai un peu de beurre que j'ai fait. C'est tout ce qui me reste du beurre. Vous savez, avec la crème fermière, il me reste que ça. Je vais ajouter du sel parce que j'ai pas mis du sel dans l'eau de cuisson. Ça avec le gigot qu'on a acheté, ça va être trop bon ça. J'ai déjà coupé le pain là, pour le saucer avec le gigot. Fais la purée à l'ancienne avec cette petite machine que ma mère m'a donnée. Voilà, une minute. C'est quoi ça? Bonne purée maison. Je tiens encore un petit peu. Voilà, elle est bien lisse comme ça. Bon, mettre du film pour pas que ça refroidisse. Et tant que le gigot il est prêt dans un quart d'heure. On l'a fait cuire tout doucement le gigot. Pendant une heure, on l'a fait, on l'a mis à 180. Et là, on l'a augmenté là, au bout d'une heure pour que ce soit bien caramélisé au-dessus. Ah, voilà. Il reste 15 minutes. Ouf. Ouais. Ça sent bon en tout cas. Et ça a fait une grosse croûte. C'est l'oignon qui a fait ça, je crois. Ça sert à rien. Ah, elle est bien cuite.
Voilà. Ah, je vais l'arroser, tiens. Hop là. Ce soir, c'est petit dessert après le gigot. Là. La glace fait maison. Et puis, on a rajouté le coulis. Hop là. Le coulis de fraises. Voilà. Ouh là 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 là. Excellent. Oh bon. C'est encore meilleur que Cooling. Des bons conseils que j'ai écoutés de ma mère. Non, c'est trop bon. Maintenant qu'il fait un peu plus doux, on va recommencer les fameux menus de la semaine. Donc j'ai juste de les faire là avant de reprendre mon téléphone et filmer. Donc lundi soir, merguez, je vais faire à ma façon là avec des petits oignons. Puis si je passe faire 2-3 petites courses parce qu'il manque des petites choses là pour tout ça. Qu'est-ce qui va me manquer? Bah déjà je pourrais m'apprendre le faire avec du poivron ça, la merguez. Poulet taboulé, il va manquer des trucs pour le taboulé. Une crêpe salée aussi, j'ai pas de jambon. Après, je peux faire avec autre chose. Je verrai ce qu'il me reste. Ramen œuf dur, bacon. Pour jeudi, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ça aussi, j'ai tout ce qu'il faut aussi. J'ai pas fait encore le samedi et le dimanche. Je sais pas encore. Suivant mes courses. Donc voilà. La petite boîte de recharge pour les téléphones. C'est pas ouverture facile, hein. Mais rentre plus de poils là dans le petit trou. Je pense qu'il faudrait une chaise un peu plus basse pour pouvoir bien manger.
Même comme ça, vous ne me voyez pas trop. Un expérience, ça ne glisse pas. Ça n'a pas l'air. On me voyait trop près. Non. D'ailleurs, ma mère m'a conseillé de refaire la glace avec de la purée de cacahuètes. Ça peut être beau, hein, avec des filets de caramel. Je continue toujours mon petit carnet là de recettes avec les plats chauds ici que j'ai écrit, et puis j'ai mis une petite étiquette pour retrouver la page des plats froids. Voilà, j'ai noté des choses hein, quand même. Bah, ça m'aide beaucoup hein, pour trouver des menus pour la semaine. Par contre, il fait très chaud, c'est pour ça que j'ai pas fait de recette du tout, pratiquement pendant un temps infini. Pourquoi il fait trop chaud, ça motive pas du tout à être derrière les fourneaux. Demain, je commence à 9h et je termine à 17h. Grosse journée. Faire une petite bouts pralinée dans la glace, c'est trop beau. Cet après-midi, on est parti à Action pour aller acheter une enceinte pour mon fils parce que la chaîne était cassée. Et du coup, on a rien dit aux enfants, on a gardé le secret entre nous. Juste après, on a pris la direction de la forêt, comme d'habitude. Et du coup, ils se posaient la question où c'est qu'on allait. Bon. Après, c'était plus une surprise. Hein, quand ça... Oh! C'est plutôt une surprise quand on s'est rapproché de la forêt. Alors ça a fait du bien. On a vraiment l'impression d'être en automne dans les bois parce qu'il faisait frais. Ça faisait du bien. Ça a changé de la canicule qu'on a eue sur un temps indéfini, tellement... Parce que tous les jours il faisait chaud, c'est casse-pied quand même.
Par contre, en rentrant, j'ai pas trouvé de place tout près. Du coup, je suis loin, loin garé. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Si vous êtes garé dans une résidence, vous habitez là, mais vous pouvez pas trouver de place. Vous ne trouvez pas de place juste en bas. C'est génial, ça. La galère. En plus, ils veulent faire des travaux là. Il y a des gros travaux qui doivent se faire sur le cours des années à venir. Donc ça va ramener plus de monde, forcément. Qui dit monde, qui dit moins de place encore. C'est déjà la galère. Il me reste ça. Ça nage dans la sauce fraise. Trop bon. Et voilà. Alors, trop manger. D'habitude, je mange pas comme ça le soir. C'est trop. Je parle de quantité, hein. Là, j'ai le gigot, c'est ma viande préférée. Moi, l'agneau. C'est ma viande préférée, donc quand il y en a, je me sers. Je me suis bien servi. Avec un peu de purée. Voilà. Et d'habitude, je prends pas de dessert le soir. Mais il y a des exceptions des fois. Hein. Une bonne glace maison. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah là là là. Ça t'amuse les pinces de maman? Ça va, hein. Ceux-là, je les ai pas payés cher en plus, et ils sont plus solides, ceux-là. Qu'est-ce qui te fait rien? Oh, un stylo! Les stylos pour écrire la liste des courses. Kevin! Viens voir! Filmer la dernière gaufre. La dernière gaufre qui reste, regarde. Elle est seule au monde dans une boîte hermétique. Seule au monde, la gaufre. Ah là là. Les aventures de la gaufre. Youhou! Avec du bon Nutella et de la chantilly. On a vu un pied qui dépasse. Qui en rêve de la bonne gaufre? N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de mon fils. Donc ça s'appelle Rhino12. Il fait des vidéos de construction de Lego. C'est vrai que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, mais voilà, je vous en parle aujourd'hui. Regardez, si ça vous intéresse, vous abonnez, puis vous likez les vidéos. Alors, je vous laisse là pour ce soir. Je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Au revoir.